Bienvenue dans votre émission, l'émission de la culture, de la connaissance, de la bonne humeur. L'émission des questions, l'émission des réponses, l'émission des champions et des championnes. Je vous présente nos candidats ce soir. On va jouer avec Valérie, c'est sa première fois. De Lavrolière, en Corrèze. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Persuadé d'avoir joué avec Valérie, mais non, première fois. Michel, comment ça va Michel? Bonsoir. Michel vient jouer avec nous depuis Fourques dans le Gard. Florence est notre troisième candidate. Ça va Florence? Bonsoir Samuel. Vient de Laillé, oui. En Ille-et-Vilaine. Et Sylvie, notre double championne. Bonsoir Samuel. Ça va Sylvie? Émission de la culture, de la connaissance, de la bonne humeur. C'est un vrai, vous savez, c'est un vrai bonheur. Dans chaque émission, je discute un peu avec les candidats et voilà, on sait qu'on va passer un bon moment parce que on est content d'être là, partager ce moment ensemble. Voilà. On va se dire des bêtises, on va rigoler, on va apprendre des choses aussi. Et accessoirement, on va essayer de gagner, n'est-ce pas, Sylvie? Oui, bonsoir Sylvie. Ça va? Très bien. Alors, moi, je sais qu'on a joué ensemble à plusieurs reprises déjà. Là, je sais que vous avez deux victoires. Ce que j'ai oublié, c'est dans le passé ce que vous aviez fait. Jusqu'où vous êtes monté en termes de victoires? J'ai oublié ça. Le maximum, j'ai gagné 3 victoires. 3. Et perdu à la 4e. Ok. Donc on approche du record personnel. Bon, vous allez bien? Oui, très bien. Je mets en garde Florence, Michel, Valérie. Elle est sympathique, c'est dit, mais. c'est dur de la prendre en défaut. Anniversaire, Sylvie. On va profiter de ce moment ensemble pour souhaiter un anniversaire. C'est aujourd'hui, c'est le 24 avril, à votre beau-papa. Oui. Il s'y attend peut-être pas. Peut-être qu'il est devant son écran. Voilà. Comment s'appelle-t-il? Maurice. Quel âge a-t-il? Il a aujourd'hui 81 ans. Maurice, un bon anniversaire de la part de toute l'équipe de Questions pour un champion. Voilà. Cette émission, elle est un peu pour vous ce soir. Voilà. Bonne chance, Sylvie. Et bonjour aussi à belle-maman, Rose. Évidemment, voilà. On salue aussi. Valérie, c'est votre fête? Presque. Aujourd'hui. Ah, c'est pas aujourd'hui? Le 28. Ah, c'est dans 4 jours? Oui. Ah, lui, c'est pas grave. Ou alors, il faut être là le 28. Oui, en fait. Pourquoi pas? Bon, alors, par anticipation. J'espère que ce sera votre fête aussi au niveau des réponses ce soir. Valérie, très beau métier. Aide-soignante, oui. Vous avez été auxiliaire de vie, vous êtes devenue aide-soignante, oui. Soins à domicile, personne en situation de handicap, personne âgée. Vous avez travaillé en EHPAD aussi, en maison de retraite, oui. Mais vous préférez travailler au domicile? Oui, c'est une approche différente, ouais. Oui. Dans la relation, c'est pas pareil? Voilà, au niveau relationnel, on a un peu plus de temps. De temps. Voilà. Ça, c'est un vrai sujet, justement, dans ces, oui. Dans ces secteurs-là, dans ces métiers-là, le fait que parfois, notamment en EHPAD, on n'a pas le temps de, voilà. Disons le net, l'organisation du travail, l'entreprise, oui. Ne vous laisse pas le temps de faire bien les choses. Mm. Et là, c'est pas... Tout à fait. Même si, bon, il y a du travail aussi à domicile, je veux pas dire. Bien sûr. Mais, oui, oui. Après, tous les établissements ne se... Oui, se... tout à fait. Humainement, ça doit être très, très fort, Valérie. Oui, c'est très enrichissant, très valorisant. C'est... Mm. Oui. Oui, oui. On a le rapport avec les bénéficiaires, mais aussi avec les familles. Oui, bien sûr. On peut aider par des conseils, par voilà, plein de choses. Un très beau métier, Valérie, je vous le disais. Merci. Bonne chance pour cette première fois. Merci. Michel, très beau métier aussi, a été enseignant, directeur d'école, très occupé, conseiller municipal. Tout à fait. Bravo. C'est... Michel, donner du temps à la collectivité, c'est formidable. On est à Fourques. Fourques. Hein, c'est ça, hein? Oui. C'est ça. Spécialisé, je crois, en charge surtout du patrimoine. C'est ça. Et des archives. Et des archives, tout à fait. Et du coup, comme vous avez eu accès à plein d'archives, de documents anciens, vous avez eu une très belle idée d'écrire un livre retraçant l'histoire de... Tout à fait, l'histoire du village. Du village. Qui est riverain du Rhône, tout près d'Arles, dans les Bouches-du-Rhône. Et du coup, l'ouvrage s'appelle « Fourques de terre et d'eau ». Oui. Hein, de terre et d'eau. Et l'écriture, c'est quelque chose que vous aimez, hein? Bien sûr. Toujours. Voilà. J'ai commencé même par un conte que j'ai fait écrire à mes élèves. Oui, de CM2. Oui. Ouais. Le Chevalier à la hache, tout à qui est devenu un album illustré. Qui est devenu un bel album illustré. Bravo Michel, on aime la littérature, ici on a des questions bien sûr autour de ce thème. Bonne chance. Merci. Bonne première fois. Florence, ça va? Oui. On est aussi dans l'écrit ici, puisque, et dans le parler, puisque Florence, vous êtes guide interprète, oui. Et traductrice. Oui, traductrice. Hein, oui. Donc vous avez beaucoup voyagé en France, un peu, ouais. À l'étranger. Là, un peu moins maintenant. Un peu moins, ouais. Mais on se déplace toujours un petit toujours peu quand un même. Petit peu. Dans le travail, moins. Basé en Bretagne, donc. En Bretagne, oui. Hein, à Laillé. Du coup, vous exercez aussi dans la région, à Rennes, à Saint-Malo, au Mont-Saint-Michel, oui. Avec des groupes. Avec des groupes, beaucoup de groupes d'étrangers ou des groupes de français aussi, quelquefois. Langue, anglais. Anglais, italien, espagnol. Et aussi de la traduction. Oui, aussi. Et là, pour le coup, ça vous emmène peut-être dans des domaines très variés. Très, très variés, oui. Depuis de la littérature pour les enfants, jusqu'à des pièces automobiles ou des choses.
Florence, bonne chance, bonne Merci. Première fois. Amusez-vous bien tous les quatre. Donnez-moi plein de bonnes réponses. On va allumer vos buzzers dans un instant. C'est parti. Première manche. Allumons les buzzers donc de Florence, de Michel, de Valérie, de Sylvie. Et c'est du sport pour commencer. Lors d'une course d'athlétisme ou de natation, quelle locution désigne le fait pour un concurrent, Sylvie ? Faux départ. Oh là, c'est incroyable. Oui. Valérie, Michel, Florence, secrètement, se disaient, on espère qu'elle baisse un peu. En... Pas du tout, Sylvie, bravo. Désigne le fait pour un concurrent de s'élancer avant le signal, c'est un faux départ. Bonne réponse. En architecture, quel nombre égale à environ 1, Sylvie ? Le nombre d'or. Le fameux nombre d'or, exactement. Sylvie est bien là. Le nombre d'or qui correspond à une proportion considérée comme particulièrement esthétique. Bon, après, la beauté, l'esthétique, hein, on est d'accord. C'est subjectif. On est d'accord. Nombre d'or qu'on appelait parfois la divine proportion, la section d'or, la proportion dorée. Bravo, Sylvie. Les questions à trois points sont un peu plus difficiles. La voici, la première. Cinéma. Quel réalisateur franco-tunisien a été récompensé deux fois par le César Mehdi Chaïne. Non. Deux fois par le César. Mehdi Charef. Non. Du meilleur film, Valérie. Nakash. Non. En 2005 pour L'Esquive et en 2008 pour La Graine et le Mulet. Elle ne dit rien, Sylvie, qui a peut-être retrouvé Florence étant lisse. Franco-tunisien, deux Césars. Abdelatif Kechiche. Bravo. Kechiche. Vous l'aviez, Sylvie. Oui. Avec les films La Graine et le Mulet et L'Esquive. Bien joué. Abdelatif Kechiche. On voyage. On parlait de voyage tout à l'heure. Quelle ville située sur le Saint-Laurent? Oui, Florence. Québec. Non. Ah. Et fondée en... Sylvie. Montréal. Oui. On n'est pas très loin, Florence. Vous avez peut-être travaillé ou séjourné au Canada, d'ailleurs. Située sur le Saint-Laurent, fondée en 1642 sous le nom de Ville-Marie à l'époque, constitue la plus importante ville francophone d'Amérique. C'est bien Montréal. Sylvie, encore un point. Valérie, Michel, Florence, Sylvie, on va se faire un petit plaisir. On va écouter ceci et après une question. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, there stood a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Goode, who never ever learned to read or write so well, but he could play a guitar just like a ringing a bell. Go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! À la maison, vous avez reconnu Johnny B. Goode, Chuck Berry, 58, c'est bien, mais c'était pas la question. La question, elle nous emmène ailleurs, elle nous emmène dans l'espace. Quel nom portent les sondes spatiales lancées en 77 à bord desquelles un fragment de cette chanson est inclus, dans le cas où il serait trouvé par une forme de vie, Sylvie ? Voyager ? Oh, mais oui, mais... Oh, Sylvie ! Les sondes Voyager 1 et 2, bravo. Dans les sondes Voyager 1 et 2, en fait, il y a combien ? Il y a 27 morceaux de musique compilés dans les Voyager Records de la NASA. Deux disques envoyés dans l'espace, voilà, à destination d'hypothétiques extraterrestres. Vous imaginez la scène, un jour, extraterrestres trouvent le truc, bah, ils écoutent. Et Chuck Berry, ils disent, ça, c'est la fête sur Terre. Voilà. Et ils viennent et on fait des grandes soirées, c'est incroyable. Sylvie, 6. Florence, Michel, Valérie, ça va se débloquer, vous allez voir, pas plus tard que peut-être maintenant. Question animaux, qu'est-ce que c'est que ça ? Quel invertébré des fonds marins à corps mou et cylindrique est également appelé concombre de mer, Michel ? J'allais dire concombre oui, de mer. Mais je m'en doutais. C'est pour ça que j'accélérais. L'holothurie. Mais ça n'est pas possible, Sylvie. Vous connaissez l'holothurie ? Oui. Vous avez des amis au l'holothurie ? L'holothurie, oui, je les invite souvent à dîner. 9 Sylvie, c'est bon, c'est fait. Bon, on va jouer. À la fois, on se dit « waouh !» et en même temps, on se dit « ouf !» C'est-à-dire qu'on va pouvoir... C'est commencer. Quelques-unes. Vous aviez l'holothurie. Sylvie, que vous dire ? Rien. Reposez-vous. À tout à l'heure. Florence, Michel, Valérie. Deux places vous attendent. Pour deux points, on joue. Dans la religion catholique, quelle prière comprend la phrase « Vous êtes bénie entre toutes les femmes » Florence a été... Ave Maria. Non. Oui, pardon, j'acceptais. J'attendais « Je vous salue Marie ». Ave Maria était aussi une bonne réponse. Salutation angélique était aussi une bonne réponse. Pardon, Florence. Deux points. Un fromage. Il y en a quelques-uns. Quel fromage de Bourgogne à pâte molle se reconnaît, Michel. Les poisses. Oui, et deux points, ça y est, compteur débloqué, Florence. Michel aussi, et poisses. À sa croûte
Rouge-orangé, oui, c'est ça. Lavé au vin blanc additionné de marjeune et poisse. Pouvez-vous épeler le mot miroir à l'envers? Valérie. R-I-O-R-I-M. R-I-O-R-I-M, Valérie, bravo. 2, 2, 2, bien joué. Vitamine. Quelle vitamine nécessaire à la fixation du calcium sur les os, Florence? La vitamine D. Ah oui, D. Notre organisme synthétise-t-il notamment sous l'effet des rayons du soleil? Vitamine D, Florence, encore 2 points. Sport, en 2023, quel cycliste néerlandais petit-fils de Raymond Poulidor? Valérie. Van... Quelque chose. Non, je sais plus. Van der Poel. Non, j'aurais pas dû dire Van. Bonne réponse. Je l'avais. Michel, Valérie, vous mettez sur la voie ou vous l'aviez? Non, je l'avais, vous l'aviez, vous l'aviez. L'aviez. En plus, il est de chez nous. Et Valérie, Valérie, ça lui disait quelque chose. Hein. Ouais. Van der Poel, voilà, petit-fils de Raymond Poulidor, donc son petit-fils par une branche, hein. Sacré champion du monde sur route, Mathieu Van der Poel, exactement. Michel, 4. 4-4, alors c'est drôle parce que c'est, ça a fait 2-2-2, et non, ça fait 4-4. Valérie, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mythologie. On est dans le panthéon égyptien. Quel dieu du panthéon égyptien, représenté comme un homme au corps étroitement gainé dans des bandelettes, est le frère, Florence? Osiris. Ah oui. Et l'époux d'Isis. Ah oui. Florence, on est à 6 points. Bien joué. Musique. Quelle chanteuse belge, de son vrai nom Claudine Lüpertz? Vous voyez? Morane. Ah oui. Ah. C'est tenté. Mais bravo, bravo. Ça joue bien. Depuis que Sylvie est partie, on en donne des bonnes réponses. Hein. Je suis désolée. Ah ben, ne soyez pas. Mais c'est beau, regardez toutes les bonnes réponses là qui arrivent. Alors, je reviens à Morane. De son vrai nom, Claudine Lüpertz avait choisi son nom de scène en hommage à un metteur en scène, en fait, avec qui elle avait travaillé sur Starmania, Francis Morane. Voilà. Valérie, 4, donc. En physique, quel terme désigne l'état d'un fluide dont l'écoulement est freiné par le frottement entre les molécules qui le composent? L'état d'un fluide dont les... Oui, Michel? Visqueux. Ah, oh, bravo. Oui. Visqueux. Visqueosité, oui. Et ça recommence. 6, 6, voilà. Valérie, on continue. Bravo. Botanique. Quelle formation végétale des régions côtières intertropiques? Michel? La mangrove. Bonne réponse. Ils sont forts. Constitué de forêts impénétrables de palétuviers. Il n'y a pas beaucoup de questions que vous n'avez pas trouvées, hein, tous les quatre depuis le début. Mangrove, Michel, encore un point, et c'est bon. Art, dès 1979. Quel peintre et graveur français originaire de Rodez? Valérie. Soulage. Je savais que ça suffirait. Bonne réponse, parce que vous êtes fort. Il est originaire de Rodez, et il y a un magnifique musée qui lui est consacré, hein, à Pierre Soulage, voilà. Aborde une nouvelle phase de son travail basée sur la couleur noire qu'il qualifie d'outre-noir, Pierre Soulages. Très serré cette deuxième manche. En 1919, littérature. Quel écrivain, engagé volontaire 5 ans plus tôt dans l'infanterie, 1919, relate son expérience de la Grande Guerre dans les Croix de Bois, Michel? Roland d'Orgelès. Michel? Bravo. Allez-y, vous êtes qualifié, Michel. D'Orgelès, exactement. Et Michel avait le prénom également. Michel et Sylvie qualifiés. Pris dessus. 6-6. Voilà. Belle première manche, très disputée, voilà, tous les quatre. Les scores en sont témoins. Et la prochaine qui me donne une bonne réponse se qualifie pour la deuxième manche. Question animaux. Quel mammifère proche de la belette, doté d'un... Florence? La fouine. C'est pas la fouine. D'un pelage qui devient blanc l'hiver, à l'exception de l'extrémité de sa queue qui reste noire. Valérie. Le Loir. Non. Et je sais que Florence, là, Florence, elle est bretonne. Hein? Et c'est l'hermine. Ben oui. Ah, l'hermine. Un des symboles de la Bretagne. Ben oui. Et là, mais il manquait des indices. Ouais. Voilà. Notamment avec le pelage qui devient blanc l'hiver. Ben oui. L'hermine qui est un des symboles de la Bretagne. 6-6. On cherche un architecte. À quel architecte lyonnais, représentant majeur de l'art nouveau, doit-on les entrées du métro parisien? Guimard. Hector Guimard, Florence, c'est bon. Je dis bravo à tous les quatre.
Voilà. Beaucoup de bonnes réponses. Voilà. Très, très serré, Valérie. Une réponse, c'est tout ce qui vous manque. Mm. Voilà. Dommage, c'était une belle partie. Valérie, je vois que vous êtes amateur de puzzle. Oui. Voilà. Alors moi, je m'y suis mis très récemment, voilà, en famille. Je découvre, et je trouve ça très sympa. Je vois qu'à un moment, vous avez fait un puzzle de 4000 pièces. Oui. Une carte du monde. Ouais, j'étais opérée et du coup, je ne pouvais pas me mobiliser, donc j'ai fait ça. Ouais. 4000 pièces. Ouais. Et là, j'ai commencé un puzzle qu'on m'a offert. Oui. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas la taille. Mais je sais juste le nombre de pièces. C'est super, ça. Oui. Bon, je découvre. Vous ne savez pas où vous allez. Non. Ça commence à ça oui, prend forme. Oui, il y a mon visage et celui de mon conjoint. Donc, je me dis... C'est génial. Ouais, j'ai formidable. Une petite idée. Valérie, un grand merci. Merci. À bientôt pour aller plus loin encore. C'était une belle première fois. Et voici un cadeau. Merci. Gagnez un an d'abonnement au magazine Téléstar Jeux et Téléstar, ainsi que l'ouvrage Mes mandala bonheur, et profitez d'un bon d'achat de 200 euros sur un site partenaire. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer à la sélection, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Une petite question à la maison, histoire de gagner 15 000 euros, ce qui est une sacrée somme. On est dans l'univers de Charles Trenet. Quel bruit notre cœur fait-il dans une chanson de Charles Trenet? Est-ce qu'il fait boum ou est-ce qu'il fait atchoum? Boum, atchoum, Charles Trenet, c'est vous qui voyez. Un ou deux, boum, un, deux, atchoum. 3243, téléphone, super simple. SMS, vous envoyez un ou deux, donc au 7, 10, 20. Ça marche aussi très bien. Et puis après, on tire au sort parmi les bonnes réponses pour vous faire gagner 15 000 euros. Tout est inscrit ici. Bonne réponse. Valérie, à très bientôt. Bientôt. Florence, Michel, Sylvie, on continue? Je vous emmène en deuxième manche. J'ai de la science, j'ai de l'information, j'ai de la littérature. On parlait littérature avec Michel. Et du mystère. Premier thème, symboles et notations en science. Pas mal. L'information sur France Télévisions. C'est un sujet que j'aime bien. Romancière contemporaine, c'est mon thème littérature. Romancière d'aujourd'hui, contemporaine. Et le thème mystère, bien sûr. Sylvie a eu la bonne idée de se qualifier la première, donc si elle a un coup de cœur, ben c'est pour elle, pour personne d'autre. Vous hésitez, Sylvie? Oui. Entre quoi et entre quoi? Les symboles et notations en science, ouais. Et le thème mystère. Bon, allez, on va aller sur les symboles et notations en science. Bonne idée, Sylvie. Vous avez pris un thème mystère, Sylvie, déjà avec oui. Toi, peut-être hier, je ne sais plus. Hier, oui. Ça a bien marché, hein. Oui. Symbole et notation en science, c'est un beau thème. Sylvie, troisième quatre à la suite d'affilée, on essaye d'aller au face-à-face pour un troisième titre. Prête? Bonne chance, Sylvie. Top. En mathématiques, quel ensemble ne contenant aucun élément? L'ensemble vide. Quelle lettre est utilisée pour désigner l'inconnu dans une équation du premier degré ainsi que l'abscisse dans un plan cartésien? X. En numération, quelle lettre majuscule symbolise l'ensemble des nombres entiers relatifs? Le R. En mathématiques, quel caractère typographique place-t-on à la suite d'un entier naturel N pour noter sa factorielle? N. Comment nomme-t-on le chiffre placé en haut et à droite d'un nombre pour exprimer la puissance à laquelle ce dernier est l'exposant. Élevé? Quelle abstraction mathématique est symbolisée par une courbe plane ayant la forme d'un 8 allongé? L'infini. Quelle unité de mesure de la résistance électrique symbolisée par la lettre grecque oméga doit son nom l'homme. À un physicien? Oui. Quelle lettre permet... 3. Très bon score. Si vous avez la question du 4 à la suite, je dis... Déjà, j'étais très impressionné, déjà. Sylvie, études scientifiques? J'ai fait un bac C il y a très longtemps. Et c'est tout. Mais la physique n'était pas bon. Et après, non? Littéraire, après? Non, après, j'ai fait du commerce. Ouais, d'accord, ok. Parce que bravo, hein. Si tout ça sont des souvenirs de terminale, ben, vous avez une bonne mémoire. 4 à la suite. Quelle lettre permet de noter la constante dite de Planck? Moi, je n'ai pas celle-ci. Hein. Qui exprime le seuil d'énergie minimum pouvant être mesuré sur une particule. Une lettre qui permet de noter la constante... C'est pas rho? Non, c'est le H. Ça ne me dit rien, Michel. Moi non plus. Michel, Florence. Là, non. Là sur la constante de Planck, hein, on nous a donc perdu. Sans regret. Voilà, pas de regret. Par contre, 3 bonnes réponses d'affilée, et même 5 au total. L'ensemble ne contenant aucun élément, c'est l'ensemble vide, j'allais dire, peut être symbolisé par un O barré obliquement. Le X est la lettre utilisée pour désigner l'inconnu dans une équation du premier degré.
ainsi que l'abscisse dans un plan cartésien. Oui, d'accord. L'exposant, le chiffre placé en haut et à droite d'un nombre pour exprimer la puissance à laquelle ce dernier est élevé. Là, on repart pour un point. L'abstraction mathématique symbolisée par une courbe plane qui a la forme d'un 8 allongé, c'est l'infini. Et l'unité de mesure de la résistance électrique, c'est bien l'ohm. O-H-M. N'a pas manqué grand-chose. La lettre majuscule en maths qui symbolise l'ensemble des c'est nombres... C'est Z. C'est Z. Mmh. Ouais. Ouais, vous l'avez retrouvé. J'ai été trop vite. Ouais, bravo. Et en mathématiques, le caractère typographique qu'on place à la suite d'un entier naturel N pour noter sa factorielle, c'est un caractère typographique. Donc ça... Factoriel, si on... Si, du coup... Ouais. Michel ? Florence ? Du tout. J'ai l'impression que vous avez le même amour que moi pour les... Oui. Quand vous allez le dire, ça va me revenir. Je vais faire des cauchemars. Le point d'exclamation. Ça vous parle ? Oui ! Ouais. Ah, oui. Pas trop. Ah oui, je suis belle. Sylvie, bravo. C'est un super score. 3 points. Félicitations. Merci. Allez-y. Merci. Pour échanger avec des passionnés de maths, en question pour un champion, et même à l'histoire, on me dit, mais non, Samuel, il n'y a pas de boss des maths, il n'y a pas de tournure d'esprit pour les maths, c'est juste une question de travail, d'application, ou de façon dont c'est enseigné. Je ne sais pas, quand même. Michel, qu'est-ce que j'ai ? De la littérature, romancière contemporaine, de l'information, précisément, sur France Télévisions, et le thème mystère. Si mon épouse était à ma place, elle aurait choisi les romancières contemporaines, sans hésiter. Mais moi, c'est plus la littérature ancienne qui m'intéresse. Donc, je vais oublier et prendre le thème mystère. Venez, Michel. Allez, Jacques Taest. Comment s'appelle votre épouse ? Mireille. Mireille, je vous salue. Elle pourrait venir jouer, Mireille ? Elle pourrait être tentée. Oh, je crois, oui. Question pour un champion. Mireille, vous n'hésitez pas, hein ? Elle nous regarde. Ouais, coucou. Alors, il est sympa, le thème mystère. Ouais, ouais. Rue, route et avenue célèbre. Ça va, hein. Rue, route, avenue célèbre. Michel, on y va ? Prêt. Top, quelle célèbre avenue marseillaise tire son nom de plantation de... À Londres, quelle rue abrite la résidence officielle du Premier ministre de Grande-Bretagne ? Downing Street. Quelle avenue de Berlin portant un nom signifiant sous les tilleuls et l'équivalent allemand de... Quelle avenue de Bruxelles abritant des boutiques de luxe et nombre d'ambassades doit son nom à la fille aînée du roi ? Quelle route américaine mythique aujourd'hui 66. Déclassée ? À Barcelone, quel nom donne-t-on à une promenade En France, quel est le nom touristique de la Nationale 85 qui part du Golfe Juan pour aboutir à Grenoble, nom touristique ? La route Napoléon. Quelle célèbre avenue de Saint-Pétersbourg, longue de 4,5 km, a été surnommée rue des tolérances religieuses ? Passe. À New York, quelle rue traversant tout Manhattan est un lieu abritant nombre de théâtres et de cinémas ? Broadway. Est encore une bonne réponse et 3 points pour Michel. Michel, bravo, 3 points. Super score, comme Sylvie. Alors, route Napoléon. Le nom touristique de la Nationale 85. Bonne réponse. La Rambla, Las Ramblas, à Barcelone. La promenade, le passage obligé, hein, on y va, voilà. La route 66, la mythique aux États-Unis, voilà, qui n'existe plus vraiment, c'est-à-dire c'est par tronçon, c'est par intermittence. Hein, ouais. C'est ça. Hein. Downing Street, le 10 Downing Street, c'est la résidence officielle du Premier ministre britannique, et la Canebière à Marseille. Alors, on y était presque. L'avenue de Berlin... portant un nom signifiant sous les tilleuls, vous avez dit Unter Linden, et en fait c'était Unter den Linden, c'était pas très loin, l'équivalent allemand de nos Champs-Élysées. Ça donnait un 4 à la suite. La célèbre avenue de Saint-Pétersbourg. La perspective Nevsky. Exactement, oui. La perspective Nevsky. Mmh, je la connais. Surnommée rue des tolérances religieuses. Et la seule autre qui nous a manqué, c'est l'avenue de Bruxelles, abritant des boutiques de luxe et nombre d'ambassades. Alors je vois l'avenue, mais j'aurais pas retrouvé le nom. Ah, peut-être qui doit son nom à la fille aînée du roi Léopold II. Alors on pouvait rentrer par là. Léopold, non, pas Léopold. C'est Louise. C'est l'avenue Louise, du coup. Et là, ah oui, là, ça me dit quelque chose, ouais. Avenue, je dirais pas austère, mais ambassade et boutique de luxe. C'est pas la Stramblas, quoi. Non. Bravo, Michel. Merci. 3 points. Pas se mentir, les quartiers des ambassades, c'est jamais... en général, c'est assez calme, quoi. Un petit peu sécurisé, peu, voilà. Hein. Bon, Florence, il va falloir nous faire un petit score sympa. Oui, oui, oui. Alors, on a l'information sur France Télévisions. Ouais. C'est un sujet que j'aime bien, mais je n'ai pas le droit de vous souffler. Et j'ai les romancières contemporaines. Ouais.
Alors, j'aurais bien aimé le thème mystère, mais je vais prendre les romancières contemporaines. Florence. Je voulais les ramener. Et oui, parce que Florence est interprète, traductrice, parle plusieurs langues, a beaucoup voyagé. C'est vrai que c'était mystère, il vous parlait. Il était sympa. Il vous parlait. Ah, j'aurais pas su avant, mais je crois que je l'aurais pris quand même. Romancière contemporaine, je vois que je peux vous donner une précision. Romancière contemporaine française. 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 Florence, bon, il nous faut 3 points. Hein. Ça pourrait être facile. On n'a pas le choix. Hein. 3, 4. Oui. 4 aussi. Vous êtes prête? Allez, on y croit. Top. À quelle écrivaine emblématique de l'autofiction voit-on les romans L'inceste, Pourquoi le Brésil, Le voyage dans l'Est, 2021. Je passe. À quelle romancière née en 67 voit-on les romans Rosie Carte, Trois femmes puissantes et La vengeance fera partie. Femmes puissantes, c'est Léa Salamé. Quelle actrice ayant publié en 2003 Il n'y a pas beaucoup d'étoiles ce soir et aussi l'auteur de Gamine et C'est le métier qui rentre. Passe. 2023, quelle écrivaine auteur de Grâce et Dénuement publie le roman intitulé Deux innocents. Quelle romancière met en scène le commissaire Adamsberg dans plusieurs romans, dont Part vite et revient tard, et sur la dalle. Quel fils d'un académicien ayant partagé la vie de Claude Berry a entamé sa carrière en 1999 avec le roman L'un pour l'autre. Nathalie. Non, je Prince. Sais pas. Michel hésitait un peu rapport à son épouse, non? Oui. Si c'est elle qui avait joué. Elle, oui. Mais moi, non. Zéro. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, Vargas, j'aurais fait un point. Vargas, peut-être. Pas Vargas. J'aurais pas brillé non plus. Ah, oh, Florence, désolé, ce thème vous a pas réussi. Non. Je vais revenir sur les questions, c'est pas grave. Sylvie, c'est pas facile ce thème. J'aurais fait un aussi. Comme ah oui. Moi aussi, les romancières contemporaines, c'est pas ma tasse de thé. L'écrivaine, si quand même. S'excuse auprès d'elle. Ah si. L'écrivaine emblématique de l'autofiction à qui on doit les romans L'inceste, qui est une thématique qui revient dans son univers. Christine Angot. Hein, le mot. Alors, parfois, j'insiste sur un mot. Là, j'ai insisté sur l'inceste. Mais c'est vrai, là, j'ai insisté sur trois femmes puissantes, par exemple. Oui. Ah, comment elle s'appelle? Oui. Slimani. Marie Ndiaye. Marie Ndiaye. Oui. Hein? J'ai confondu avec. Voilà. La qui a publié quelque chose sur les femmes puissantes. Ce qui est intéressant, c'est que pourquoi Florence nous propose Léa Salamé? Parce que Léa Salamé a écrit un livre qui s'appelle Femmes puissantes. Ouais. Voilà. Et là, c'est trois femmes puissantes. C'est pour ça qu'à un moment, votre mémoire vous amène à Léa Salamé. Ouais, ouais. Qui, par ailleurs, était peut-être dans l'information sur France Télévisions, d'ailleurs. Peut-être, c'est, oui. C'est ça qui est drôle. Actrice. Donc, c'est une actrice qui est aussi auteure. Elle a écrit « Il n'y a pas beaucoup d'étoiles ce soir » et également « Gamine » et « C'est le métier qui rentre ». Sylvie Testu. Et une dernière, l'écrivaine auteur de « Grâce et dénuement » en 2023, qui publie le roman intitulé « Deux innocents », Alice Fernet. Voilà. Alice Fernet. Florence, désolé, ce thème vous a paru. Non. Mais c'était une belle partie. Merci beaucoup, Florence. Allez-y. Merci. Désolé, j'ai volé un thème où tu faisais peut-être 4. Peut-être que l'information sur France Télévisions, peut-être que vous regardez peut-être, un petit peu, mais je ne retiens pas forcément les noms les non noms. Plus. Ah, donc je ne sais pas. Je ne le voyais pas comme ça. Bon, Florence, en tout cas, merci beaucoup. Bon merci retour en Ille-et-Vilaine. Merci. J'espère à bientôt. Peut-être. Pour la seule manche que vous n'avez pas connue ce soir, qu'elle face à face. Peut-être la prochaine fois. Merci, Florence. Merci. Un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Un petit peu de musique pour mettre de l'ambiance et pour vous faire gagner la belle somme de 15 000 euros. Oui, c'est maintenant et c'est pour vous. On va écouter un extrait musical et après je vous pose une question. Écoutez. La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou-glou-glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-ding-dong. Mais, voilà, il y a un mot qui arrive et c'est celui-ci qu'on cherche. Quel bruit notre cœur fait-il, s'apprêtait-il même à faire dans cette chanson de Charles Trenet? Un, boum, ou deux, atchoum. Voilà. Si votre cœur fait l'un des deux bruits qu'on vient d'évoquer, là, il faut s'inquiéter. 3243, le téléphone, vous le connaissez, ce numéro, par SMS, un ou deux, au 7, 10, 20, et puis on tire au sort parmi les bonnes réponses, on vous fait gagner 15 000 euros. Sylvie, on y est. On tente d'égaler le record personnel, tenter une troisième victoire. Michel va tenter de devenir champion pour sa première participation, ce qui serait joli. Et ça, c'est dans un instant sur France 3. À tout de suite. Michel, Sylvie, c'est l'affiche du face-à-face. Bravo, Michel.
Merci. Est-ce que vous avez été incité à jouer par des membres de votre entourage qui vous ont dit ces derniers mois, ces derniers années, Michel, allez, on y va, quoi. Mes petits-fils. C'est vrai. Ah oui. C'est trop mignon. Ils vous voyaient jouer. Et oui. Ils voyaient que non, mais papy, t'as plein de réponses allez. Sur le canapé. Alors, je salue ces gens et Louis. Oui, tout à fait. C'est ça. Merci à tous les deux. Vous avez bien fait. Vous aviez raison. Et il en a plein, Michel aussi, mais plus sur le canapé. Michel, bravo. Et Sylvie, ce soir, on tente d'égaler le record personnel. Voilà. De 3 victoires, ce qui est beau. On égalerait ce soir. Sylvie aura la main dans un instant sur la première question. La cagnotte, elle commence à être sympa. Hein. 18 100 euros. Voilà. Là, par exemple, Sylvie a déjà 2, encore 3 victoires, c'est la cagnotte. Elle est belle, et puis les cadeaux aussi qu'on va regarder avant de démarrer. Voici pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Grâce à ce blender innovant et ce air fryer XXL Nutribullet, cuisinez en un minimum d'efforts pour une alimentation saine et facile. Regardons les cadeaux pour le champion ou la championne. L'Hôtel Spa Le Nouveau Monde à Saint-Malo vous invite pour un superbe week-end de détente à deux. Vous profiterez de la piscine de jet sous-marin et du hammam. Sylvie, culture générale. Je prends la main. Bon. Sylvie, sauf erreur, en général, vous prenez la main. Oui. Hein. Top attitude. Désignée par une locution attestée dès 1835 qui résulte de l'abréviation d'une recommandation, je dois être prise au moment de la cérémonie des couleurs. Pouvant être déclenchée par le commandement à vos rangs fixes. Garde à vous. Alors je ne le fais pas, mais j'ai eu presque juste envie au de... moment. Bon, oui, j'ai tout passé la lumière. Cérémonie des couleurs. Hein. À vos rangs fixes. Je consiste la plupart du temps à rester debout. Service militaire, Michel. Volontaire du service national, pas militaire. Oui, très bien. Je vois. Mais pas militaire. Mm-hmm. Je consiste la plupart du temps à rester debout, immobile, les talons joints, le bras le long du corps, jusqu'au moment où on le dit, quand on peut lâcher un peu, on le dit. Romper. Hein, romper ouais. Fixe, vous croyez ? Non, romper. Non, fixe, c'est pour les débuts. Position réglementaire prise par les militaires en uniforme, au commandement d'un supérieur, je suis le garde à vous. Michel, ça fait 3 points. Et les petits-enfants, à la maison, qui disent, oui, on lui avait dit. C'est pas fini. Télévision ? Non, Sylvie est trop forte, je garde la main. Ok. Top, journaliste sportif. Né en 57 à Brazzaville, j'ai participé à la création du premier syndicat mondial des footballeurs, l'AIFP, et à celle de l'association Foot Citoyen. Entré au service des sports de TF1 en 76 grâce à Georges Decaune, je deviens par la suite l'un des piliers de téléfoot jusqu'en 89. Pierre Cangioni ? Non. La main passe. Amoureux du football sud-américain, je suis le président à vie de l'émission L'Équipe du Soir sur la chaîne L'Équipe. Je suis passionné de foot. Hein, tout, souvent. Je suis pas passionné de foot. Youriou. Didier. Ah non, Didier Roustan. Roustan, exactement. Il me revenait. Sylvie, vous avez la main de nouveau. Animaux. Oui, je prends. C'est gardé. Indice sur votre écran. Petit oiseau, dont le nom scientifique est Alcedo atys. Je possède un plumage bleu, vert, vif, brillant au-dessus, roux au-dessous, doté d'un corps. Le rouge-gorge ? C'est pas le rouge-gorge. D'un corps trapu, aux ailes assez courtes, larges, arrondies, d'un bec très grand, épais, pointu. Mon vol est rapide. Le bouvreuil ? C'est pas le bouvreuil. Top, et rase l'eau. Presque toujours posé sur une branche ou sur un piquet au bord de l'eau. Le martin pêcheur. Ah, oui. Eh oui, alors là, c'était l'indice. L'eau. Important. Je porte un nom composé, évoquant mon habitude de plonger pour prendre de petits poissons le martin pêcheur. 2 points, Sylvie, c'est parti. Michel, vous retrouvez la main pour de la musique. Je prends. Top. Chanson française de 77, reprise en 2017 par le duo Brigitte sur un album hommage à mon interprète, je figurais sur le 33 tours intitulé « Jamais content ». Commençant par les mots « Je marche tout seul long de la ligne de chemin de fer ». Allô maman bobo. Marche tout seul. Allô maman bobo. Elle est belle cette chanson. Très belle. Le bel indice à 3 points. J'évoque un personnage fragile et rêveur qui sent mal dans toutes sortes de situations. Chanson dans laquelle Alain Souchon appelle sa mère et lui dit « Comment tu m'as fait, je suis pas beau ». Elle est belle cette chanson. Allô maman bobo. Et voici 3 points pour Sylvie. 5-3. Un indice pour vous sur cette question de cinéma. Et la main est pour Sylvie. Je prends quand même. Quand même ? Je prends. Oui, vous dites que c'est votre point faible, mais bon. Oui, c'est ça. Bon, hein. Sur un malentendu. On va essayer de trouver quand même. Top. Héros d'un film de David Fincher adapté d'une nouvelle de Francis Scott Fitzgerald. Je mène une existence hors du commun de 1918 à nos jours, en majeure partie à la Nouvelle-Orléans. Benjamin Button. Exactement. Bravo.
C'est là où on voit que le cinéma est le point faible de Sylvie. Oui, oui. Hein, on voit bien, hein, on a bien vu là. Ah, là, vraiment, Sylvie, c'était... La main à celui qui est né vieux et qui rajeunit. Et qui exactement, ouais, exactement. Ce que j'ignorais, parce que le film est magnifique, avec Brad Pitt, que c'était adapté d'une nouvelle de Francis Scott Fitzgerald. Ouais. Ça, je ne le savais pas. Vivant une grande histoire d'amour avec Daisy, interprétée par l'actrice Kate Blanchett, l'histoire est belle, j'ai la particularité de paraître 80 ans à ma naissance, puis de rajeunir physiquement. Héros d'une étrange histoire incarnée par Brad Pitt en 2009, Benjamin Button, exactement. Ça, c'est le personnage et le titre, c'est l'étrange histoire de Benjamin Button. 4 points, Sylvie, sur 2 cinéma, 9. Michel n'a pas dit son dernier mot, aime l'histoire et a la main sur une question histoire. Je prends. Top année. De la disparition des hommes politiques Alain Savary et Edgar Faure, j'ai vu sur un plan international la signature d'un accord prévoyant le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan. Marqué à Sydney par la célébration du bicentenaire de l'Australie et à Paris par l'inauguration de la pyramide du Louvre. 1996. La main est passée. Top. J'assiste en novembre à l'élection de George Bush aux États-Unis. Année des JO de Calgary. 84. Non. Top. Et de Séoul. Je suis 88. 80... Oui. Oui. C'est pas 4, c'est 8. C'était 4 ans après. Mm. Eh ouais. Bravo. Sylvie, ce sont les jeux qui vous donnent l'année 1988. 11, Sylvie, qui a la main sur une question de littérature. Je prends. Nous cherchons un écrivain français né le 26 avril 1972 d'un père journaliste. Je traverse à 19 ans le désert... Sylvain Tesson. Ouais. C'est le père journaliste. Oui. Mais oui. Hommage à Philippe Tesson qui nous a quittés il y a quelques temps. Sylvain Tesson, c'est son fils, c'est l'écrivain. Bonne réponse de Sylvie. Bravo. Michel, on ne peut pas lutter. En fait, Sylvie, que je connais bien, ne laisse pas beaucoup d'espace au face-à-face. C'est-à-dire que c'est vraiment... Bravo. Michel a marqué 3 beaux points. Michel, c'était une belle première fois. J'espère que cette première fois, on appellera d'autres. Voilà. Et encore merci à vos 2 petits-enfants, à Jean et Louis. C'est une très bonne idée de vous inciter à jouer parce que c'était une belle partie. Sylvie, là, on a égalé le record personnel. Alors, quand on aime ce jeu, c'est sympa d'essayer de tenter d'améliorer son record en toute matière, d'ailleurs, quelle qu'elle soit. Est-ce que Sylvie va avoir envie de faire ça et de tenter une 4e victoire demain et puis se rapprocher de la cagnotte qui vient de s'afficher? Demain, on est jeudi. Est-ce qu'on retrouve Sylvie demain? 5 secondes. Est-ce qu'on tente la 4e, Sylvie? Alors, comme Armand Duplantis qui améliore son record centimètre par centimètre, oui, je vais essayer de faire pareil. Eh bien, on fait ça demain. Donc, Sylvie, je reviens. Et bravo pour aujourd'hui. Bravo, Michel. Michel, à bientôt. Sylvie, à demain. Vous avez rendez-vous à 18h10 sur France 3 avec la culture, la connaissance, la bonne humeur et Sylvie. Et puis moi aussi. À demain.